Voici le 10-12 sur le sud-est, sur la 23e place. Le côté rue est pas mal du tout, avec un arbre assez grand ici pour protéger, il y a pas mal d'ombre. Il y a un garage pour deux voitures. L'entrée est intéressante. C'est pas une maison nouvelle, bien sûr, mais le sol carrelage est assez bien fait. Il y a en fait du carrelage partout. Mais la cuisine, même la cuisine et le côté petit déjeuner, là, il y a on peut mettre une table ici pour manger à déjeuner ou pour le petit déjeuner. Et voici un peu la salle de la cuisine. La maison a été construite en l'an 2000. La taille est assez bonne, 1845 square feet, c'est assez large. Alors comme je disais, il y a du carrelage partout. La salle de bain ici n'est pas mal du tout. Il y a une entrée aussi pour aller à l'extérieur de la salle de bain. Très potable. Voici la chambre à coucher principale avec vue sur le canal. Une bonne taille. Et il y a la seconde salle de bain ici avec un jacuzzi. Même si c'est une foreclosure, voici en fait la douche, c'est pas mal du tout. Alors ça c'est le jacuzzi, assez large comme salle de bain. De nouveau on retrouve ici la vue de la chambre à coucher principale. Et les deux autres chambres à coucher sont de taille moyenne, avec une vue du devant de la maison. Et la seconde est un peu la même que la deuxième. La deuxième est un peu la même que la troisième. Et la vue est vraiment similaire. Je reviens, on va faire un coup d'œil dehors. Sur le prix, il y a un peu moins que les autres. Il n'y a pas de piscine. La vue est pas mal du tout d'ici. Et je vois qu'il y a des bateaux à moteur d'une certaine taille ici, ce qui est un bon signe. Ça veut dire que c'est un canal assez profond. Comme on peut voir, je vois au loin un voilier d'au moins d'au moins 10 mètres au moins. Quoi, ce serait 35-40 feet. Et voici l'autre, la vue ici. La vue aussi de la maison. La vue du canal. Venant du canal, voici de la maison. On peut voir que un patio pourrait avoir un moustiquaire là avec les deux colonnes et on pourrait facilement mettre une piscine ici. Ici on pourrait aussi mettre un assez long bateau à moteur. Il y a besoin d'un lift. Et les maisons sur la rue, sur la même rue, la 23, sont potables, mais c'est vraiment sur le canal qu'on voit des maisons assez belles. Je suis en train de montrer ici. Alors voici pour le tour. Pas mal du tout. Ça a l'air d'être un très bon investissement.